Quand on va dans une expo, de manière générale, on est en contemplation et on est plutôt passif qu'acteur de l'expo. Et là, on rentre dans un endroit où on est invité à devenir l'acteur principal de l'exposition pour entrer dans des tranches d'histoire qui concernent la Salim Royal. Pour moi, dans l'idée, on rentre dans une plateforme, comme si c'était on rentrait à bord d'un vaisseau spatial, quelque part, spatio-temporel. Et quand on rentre dans cet univers, il y a des détecteurs de présence qui savent où nous sommes vraiment physiquement et qui vont nous inviter à rentrer sur la première machine où il va se passer voilà, à chaque fois des aventures. Le levier vient nous emmener dans des dates marquantes de l'histoire de la Saline. Et c'est un peu comme si c'était les séquences, c'est comme si on poussait et on se retrouve en 1918 et toc, il arrive quelque chose qui nous téléporte en 1918 pour vivre d'une manière très, je dirais, poétique et mécanique une tranche de l'histoire et qui va nous permettre de comprendre très rapidement ce qui s'est passé cette année-là.